place pour moi. C'est un album assez personnel. Il y a beaucoup de cordes. Je pense qu'il est dans la lignée de mes deux premiers albums. Après, j'ai grandi, donc forcément, mes chansons ont grandi avec moi. En musique, je sais précisément ce que je veux, à tel point que les musiciens avec qui je travaille m'appellent patronne et me demandent toujours si c'est bien comme ça qu'il fallait faire. Je suis assez directive, mais parce que c'est mes chansons que j'écris, que je compose, et je sais où je veux les emmener. Je passe le clair de mon temps, juste à passer le temps. Je sais ce que je veux, j'hésite pas du tout à enfoncer des portes et à aller au bout, être obstinée. Je suis même très têtue avec aussi bien un garçon que la musique, donc du coup j'hésite pas à le montrer quoi. Alors, je veux dire... Tant que ça pose pas de problème dans mon quotidien et que ça ne m'empêche pas de faire des choses, je m'en fiche complètement. Mais là, on était photographiés en vacances, on me posait quand même vachement de questions sur ma relation. Et là, effectivement, ça prenait un peu le dessus. Et puis surtout, quand on est en couple quand même, c'est un moment un peu exclusif avec quelqu'un. Donc j'avais envie de pouvoir partager des trucs juste avec mon mec, sans me dire que... tout le monde savait que j'étais avec lui ou que tout le monde connaissait sa tête et son prénom, qu'on pouvait regarder sur internet où on était parti en vacances. Enfin, ouais, ça c'est relou parce que c'est justement, on a envie d'être dans une bulle quand on est en couple et là j'étais pas dans une bulle du tout quoi. Allez, c'est décidé, je veux profiter de mon présent. J'ai trouvé mon équilibre. Ouais, c'est une bonne réponse. Non, je suis pas avec Vianney. Je veux pas laisser passer.